Il a été retenu des outrages et je ne pense pas qu'il y aura une relaxe. Je ne me fais aucune illusion là-dessus. Voilà. Donc, je vous remercie. Oui. Muriel, alors Je pense pas du tout qu'il y aura une relaxe non plus. Après, que veux-tu que je te dise? Je remercie tout le monde, mon avocate et tout le monde d'être venu me soutenir, c'est super gentil. Et voilà, bon là je veux dire j'étais un peu fébrile hein, parce que c'est toujours très compliqué pour moi. Comme je l'ai dit moi personnellement, que toutes les mésaventures que j'ai eues avec les forces du Mordor, police, gendarmerie, voilà. Et jamais considéré comme une victime, mais toujours comme une personne très, genre une terroriste, une personne dangereuse, ce n'est pas du tout ce que je suis. Je reconnais que, peut-être avoir dit que c'était enculé, c'était peut-être un peu fort, mais comme moi je considère qu'ils m'ont enculé par le coccyx, par le zéphès, voilà, je sais pas trop quoi dire, à la fin j'ai juste eu le temps de placer que, quand le procureur général dit que je vais être en danger, que si jamais je recroise les flics ou quoi, ça se passera très mal. Donc non, j'ai dit que lundi je me suis fait contrôler. J'ai des numéros personnels de gendarmes. Il est arrivé que les gendarmes fassent appel à moi pour que je débarrasse le devant d'un supermarché de clochards en me disant sinon on va les embarquer, c'est ta bande. Donc c'est moi qui devais faire le boulot des flics. On nous a amené des flics, nous ont amené une paire de godasses sur la ZAD pour un ami qui n'avait pas de chaussures. Non, je ne mets pas tous les gendarmes ni tous les flics dans le même panier. Ceux que j'ai insultés, ceux à qui je m'adresse en les traitant de force du Mordor, ce sont ceux qui m'ont fait du mal à moi, qui ont fait du mal à mon père, qui ont par exemple tué Rémi Fraisse, qui ont éborgné, qui ont arraché des mains, qui s'en sortent en toute impunité et qui en plus derrière ont le culot de demander des dommages, intérêts. Et puis voilà, donc j'espère vraiment que la justice, il n'y aura pas de relax, j'en suis convaincue. C'est ce que je disais à Eric, entre septembre 2019 et aujourd'hui février 2023, t'as pas brûlé beaucoup de gendarmerie. Absolument pas. Absolument pas. Non. Voilà, donc ça fait plaisir de voir que Eric a pu se déplacer pour te soutenir. J'ai été le chercher au Laurent, ouais. Malheureusement, Gigi, elle est malade, fait une analyse, elle peut pas être là. Mm. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a du soutien, que des personnes viennent et se sentent concernées, parce qu'ils voient bien que c'est pas uniquement le procès de Muriel Capdevielle. Mm. On est quand même sur le procès de la violence policière, et je dirais un petit peu d'un conflit asymétrique où le citoyen est présumé coupable et où les forces de l'ordre sont toujours dans le rôle de la victime. Bien sûr, tout à fait. Bon voilà, après il y a pas mal de personnes qui n'ont pas pu venir, donc ils se sont excusés par téléphone et sur Messenger. Donc à Michel, à Françoise qui sont des gilets jaunes et tout, je dis merci. À Jean-Marc qui est un communiste, je dis merci aussi pour tout leur soutien à distance. Et à tous les gens qui sur Facebook aussi voient qui je suis vraiment et qui me soutiennent aussi pour avoir été eux-mêmes victimes de... Je te remercie Muriel, je vais essayer de voir qu'on puisse qu'il y ait un petit dialogue avec Eric. Oui, il est là. Pour Radar. Voilà. Ah c'est lui qui a ma bouteille d'eau. Et lui, j'en parle même pas. J'ai fait la goutte d'eau dans les premiers tucs qui étaient à la goutte d'eau, que j'ai défendu. Après, je l'ai défendu à la cour d'appel ici, je ne sais pas si tu te rappelles. Voilà quoi. Et l'autre jour sur son Facebook, je vois la photo, c'est dans la cage devant. Tout jeune, mais. Là, c'est scandale. Et tu vois, par exemple, on parle de flic. Il avait des problèmes de prostate. On était donc en cellule, il demande autorisation de se rendre aux toilettes. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le flic? Pisse-toi dessus, les a dit, ça pue la pisse. D'accord? Donc, tout ça, des choses comme ça, moi j'en ai plein la tête, tu vois, plein mes tripes, plein mon cœur. Et ça contribue aussi au fait que, à un moment donné, ça m'a trop gonflé en fait. J'étais en garde à vue à Paris, les toilettes c'était juste à côté, moi j'ai pas mangé pendant 3 jours. Hein. Exprès pour ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes. Parce qu'il y a un temps infini, tu vois, exprès pour t'humilier, te réduire, une tas de merde là. Et donc les toilettes étaient juste à côté, dès qu'ils embarquaient des gars, tu vois, ils commencent à leur baisser le froc avant, tu vois, je sais pas, ce qu'ils leur mettent dans les fesses, tu vois, pour voir s'il y a quelque chose et tout. T'entends aïe, aïe et tout. Mais c'est affreux quoi, je veux dire, c'est horrible. Donc qu'il y ait des gens qui puissent exercer ce genre de boulot de merde dans toute impunité. Et que tu peux pas porter plainte contre lui. Ce juge-là du pain, il est quand même là depuis 40 ans au moins. Donc si tu veux, à mon avis, il va pas être. C'est trop sévère. Il a pris des notes là sur la proportionnalité avec la Cour européenne, sur la liberté d'expression, sur le fait qu'il faut aménager les peines.
ab initio, c'est-à-dire immédiatement, et pas mettre du ferme. J'espère qu'il va faire donc l'effort. Je vais pas du ferme, être contente. Mais j'espère vraiment que... Et qu'il a dit d'entrée que c'était des insultes et des grossièretés, c'est-à-dire j'ai vu de suite qu'il faisait pas, il exagérait pas, même par rapport à ce qu'il est, tu vois. Il a pas du tout exagéré.